Voici une histoire qui va vous surprendre, mais surtout vous passionner. En fait, il s'agit d'une jeune dame qui attend un bébé. Et les échographies ont démontré que le bébé est du sexe féminin. Le trousseau a donc été préparé en rose en attendant l'arrivée de la petite. La chose étrange, c'est que le grand frère du futur nouveau-né, lui, croit le contraire. Chaque fois que quelqu'un venait ici, puisque j'avais déjà fait un garçon, donc chaque fois que quelqu'un venait ici, il disait que ah, tu es enceinte cette fois-ci, tu vas faire une fille. Tu vas faire une fille. Le petit garçon la disait à chaque fois non. L'enfant qui est dans le ventre de ma maman, là, c'est pas une fille, mais c'est un garçon. Et le garçon, il s'appelle Max Gardel. Il s'appelle Max Gardel. Tous ceux qui venaient ici témoignaient que c'était une fille que j'allais faire. Mais lui seul, tout le temps, il disait oui, c'est un garçon qui est dans le ventre. Et ce garçon-là, il s'appelle Max Gardel. Jusqu'à ce que j'accouche réellement, je fasse un garçon. Donc quand les gens venaient chaque fois pour saluer le petit, l'enfant disait, on dit, mais ton petit frère, il s'appelle comment? Il dit, mon petit frère, il s'appelle Max Gardel. Max Gardel. Et son papa avait dit, si une fois il venait jouer ici, il allait tout faire pour qu'on rencontre Max Gardel, pour qu'il voie son homo. Et voilà qu'aujourd'hui, la surprise fut grande. Maï est venue avec Max Gardel pour voir son homo, Max Gardel. Je vous remercie. Et voilà que papa aussi, 2 semaines après la naissance, il est décédé. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Max Gardel s'est déplacé, il est venu à nous. Merci pour tout. Le bébé sera un garçon. Et lui a même donné le prénom Gradel, comme celui de son joueur préféré. Comment il s'appelle ? L'accouchement, le miracle se produit. Le bébé est effectivement du sexe masculin, comme l'avait prédit le grand frère. Et pour accomplir le miracle, la mère décide de prénommer le nouveau-né Gradel. Et pendant que son papa vivait une semaine, je crois, avant le décès, il a dit qu'il allait tout faire pour rentrer en contact avec Max Gradel pour lui présenter l'enfant. Et que son enfant est né, son enfant Max Gradel depuis le ventre. Bonsoir. Je voulais dire vraiment merci à Max Gradel qui a vraiment honoré de par sa présence et qui est venu. Nous ne lui avons rien demandé, mais il est venu avec plein de cadeaux voir l'enfant. Et je veux lui dire un grand merci. Rien que par sa présence, mes larmes vraiment ont été séchées. Je lui dis merci de tout cœur.